Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une toute nouvelle interview exclusive du WWE Report. Et on est parti pour une toute nouvelle interview exclusive avec, bien entendu, belle évidemment, l'équipe du WWE Report, c'est-à-dire moi-même, ainsi que les spécialistes du catch, Kevin Payne et le retour de l'Ange Bleu. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. À tous. Et pour cette édition, on est avec un homme qu'on vous a longuement parlé. On sait que la dernière en lice, on a fait une interview exclusive avec justement son rival, le porteur du chaos par excellence, c'est-à-dire Iron Kaido. Ce soir, on a son rival. On sait qu'ils vont s'affronter probablement lors du 27 septembre à Montady. Eh ben, on vous a dégoté justement cette interview avec son rival, c'est-à-dire Psycho Kid. Bonsoir à toi. Hey, salut à toute l'équipe du report, salut à toute l'équipe du coup de la page de puis à tous les fans de catch français. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir du coup pour cette interview. C'est clair. Du coup, en parlant de page, la page de l'émission, c'est une bonne question de le dire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai, on a une page Facebook pour l'émission. Ça s'appelle AA Wrestling WWE. Donc c'est la page officielle sur laquelle je vais évidemment mettre les deux récentes interviews, donc celle-là ainsi que celle avec Iron Kaido. Donc vous pouvez les retrouver tous les deux sur la page. Donc vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. On va commencer évidemment avec, vous le savez, maintenant c'est devenu une belle tradition de cette émission, c'est l'instant promo. Donc encore une fois, qu'est-ce que l'instant promo? L'instant promo, c'est le meilleur moyen pour tout catcheur confondu de travailler sa promo justement. Donc Psycho Kid, je te laisse la parole, vas-y, dis tout ce que tu as envie de dire. Si tu veux parler d'Iron, eh ben parle d'Iron, on a hâte d'entendre ce que tu as à dire. Ah, vous avez envie que je parle d'Aaron hein, par Comme tu rapport à la veux. dernière Comme interview. tu veux. Bah écoutez, je vais vous laisser ça du coup pour la fin de l'instant promo. Là, je vais commencer par me présenter. Du coup, moi, c'est voilà le Psycho Kid. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'entraîne du coup sur les rings. Et ça fait 3 ans du coup que j'ai rejoint les rangs de la HPW. Avant, j'étais à l'ABC Catch, donc à Béziers. Maintenant, du coup, je suis à la HPW, dont je suis l'un des dirigeants et avec qui je m'épanouis de plus en plus et avec qui je prends de plus en plus de kiff à travailler. Voilà, après, dans mon style de catch, je suis at flyer, du coup. Pas mal at fly. En termes de gimmick, ben, voilà, je suis tout ce qui est le plus naturel, c'est-à-dire le gamin un peu fou qui fait lever les foules, qui donne tout pour le public et qui n'hésite pas à prendre des risques pour divertir et surtout voilà qui lâche rien et en qui on aime avoir espoir, même si les matchs ont été relativement compliqués ces derniers mois, même j'ai envie de dire ces dernières années. Et j'ai eu quand même de pas mal de noms du coup sur ma route. J'ai eu Antonio Adamo, Tony King Trivaldo, ben Aaron Kaido justement, avec qui je vais donc du coup répondre par rapport à la petite pique qui m'a lancé, la petite provocation qui m'a lancé sur la dernière interview. Puis j'ai eu pas mal de ben William Wolf aussi qui est venu du coup me mettre quelques mandales sur un des shows HPW, je les ai sentis passer. Mais on se relève toujours. Le Psycho Kid, c'est sa devise, je me relèverai toujours. Vous pouvez me mettre n'importe quoi, powerbomb, à travers des tables, des chaises, des coups de plateau, des coups de candlesticks, je serai toujours là, je serai toujours debout et pour le plus grand plaisir du public. Voilà. Ça fait beaucoup, mais c'est très Ça intéressant fait pas vraiment mal. de savoir ça parce que je pense que tous tes fans à travers le monde, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'international, en France, ils sont tous là pour te supporter et pour t'aider justement à te relever de tout.
la psycho familiale a pu me soutenir sur les derniers shows là, et ça m'a fait chaud au cœur. Et pour eux, je pourrais déplacer des montagnes. Et en tout cas, ça va être mon but du coup sur le circuit français, et peut-être ailleurs plus tard. Après, j'essaie de pas trop être gourmand, et je laisse du coup le temps faire. Je laisse aussi, bah, du coup, le monde du catch, faire son choix si je peux en faire partie ou pas. C'est comme ça. J'essaie de pas trop être gourmand, justement, pour pas me prendre les pieds dans le piège, voilà. Et puis, par rapport à Aaron Kaido, justement, voilà, j'ai entendu sa dernière interview. Et pour le coup, je vais expliquer vite fait l'histoire avec Aaron Kaido. C'est qu'on a commencé ensemble à l'ABC4, justement. Enfin, lui avait commencé déjà depuis quelques années. J'ai rejoint l'ABC. Et du coup, on a créé des liens au départ d'amitié ensemble, jusqu'à la HPW. Donc ça fait quand même une longue relation amicale avec lui. Je connais ses moves, je connais son caractère, sa famille, je connais pas mal de choses. Et c'est vrai que là, ces derniers mois, je le reconnais plus, en fait. C'est-à-dire qu'il a complètement pété les plombs, et j'ai essayé d'y remettre les points sur les i. J'ai essayé par tous les moyens de comprendre ce qui n'allait pas, et pour moi, ça reste flou. Et c'est vrai que je pourrais jamais dire que c'est un catcheur mauvais. Bien au contraire, c'est un catcheur avec énormément de qualité sur le ring, avec une résistance hors norme. Au dernier show, ça a été, enfin, Romania, ça a été très compliqué sur le match sans disqualification. C'est vrai que pour le coup, on est allé un peu loin sur ce show. C'est parti à coups de plaques en métal, c'est parti à coups de kendo stick, c'est parti à coups de chaise. Enfin, c'était assez rude niveau physique. Et puis voilà, c'est compliqué, c'est toujours compliqué d'avoir partagé tous ces moments avec lui, et à la fin se mettre sur la bouche aussi violemment, quoi. Mais enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous réservera. Et pour le coup, ouais, c'est assez dommage. Et bah écoute, si lui est prêt à remettre les couverts, bah, je vais pas refuser, hein. Je vais pas refuser, et je vais foncer comme d'habitude. C'est ce que le public veut voir en plus. Donc autant enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes, et puis on verra bien. On verra bien. Est-il donc, j'ai envie de dire, pour la première question, même si ce n'est pas vraiment la vraie première question, mais c'est une question à part entière, est-ce que c'est donc une acceptation d'invitation pour le 27 septembre? Est-ce que ça a on va dire, comme l'impression d'être officiel en fait? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui, mais après, à voir avec les officiels de la HPW, les personnes qui s'occupent du coup de la carte, etc. Mais je pense qu'Aaron Kaido est prêt à en découdre, et ça tombe bien, parce que moi aussi, il n'y a pas de souci. Moi, son changement de comportement, comme je vous ai dit, c'est bien dommage, mais si je vais pas me laisser non plus provoquer et marcher sur les pieds sans réagir. Donc bah, s'il faut remettre les couverts, il n'y a pas de souci. Et puis, vous savez quoi, je lui laisse le choix de la stipulation, il n'y a pas de problème. Oh, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, Je dirais comme même ça. que moi je dis ça, je dis rien, mais Iron Kaido, il a clairement dit que qu'il viendrait te chercher carrément. Kevin, moi j'ai entendu ça, hein. T'as entendu ça toi aussi ou pas? Ce qu'il a dit. De toute façon, Kid, on l'a bien entendu, il veut bien faire ce match. Et en Bah, il viendra plus, il laisse à la confirmer, quoi, l'occasion c'est ça. à Iron, qu'on salue évidemment. De choisir cette fameuse stipulation. Alors, évidemment, nous demanderons à Iron, évidemment, soit de commenter, soit on fera une énième interview avec lui pour justement qu'il nous annonce officiellement le nom de la stipulation. Franchement, les exclus, c'est ce qu'on aime dans le WWE Report. Bah écoutez, moi, il veut venir me chercher. Je serai le 27 septembre à Montady, à Clash des Héros. Écoutez-moi, je serai dans les vestiaires à me préparer pour mon match. Pour l'instant, je ne sais pas encore qui j'affronte. Mais justement, si ça peut donner quelques idées aux officiels, moi, je suis preneur pour ce match, justement. Si je pense que le public sait ce qu'il veut aussi, donc il n'y a pas de souci, même si, comme je vous ai dit, enfin, comme je vous dis une énième fois, c'est quand même dommage par rapport à la personne que c'est devenu. C'est devenu une personne assez méconnaissable par rapport
par rapport à ce qu'on a vécu ensemble à l'époque. Aaron, je sais pas si tu m'écoutes, mais franchement, choisis un steel cage, sois fou. Ah ouais, l'enjeu qui critique, mais en plus qui propose une stipulation, comment dire, dangereuse hein, quand même. Hein. La stiquette, c'est pas le genre de stipulation gentille quand même. Hein. Je donne pas des idées comme ça quand Steel cage match, c'est vraiment chaud quand même. Hein. Ou un œil pour œil même si tu veux. Ah, ça c'est gore, ça c'est Ça très très gore, c'est très très gore. ira pour ce genre de stipulation pour l'instant, les gars. Il a besoin de ses yeux, laissez-lui ses yeux. Ah, laissez-moi mes yeux, j'en ai besoin pour voltiger de tous les côtés. Rey Mysterio a déjà perdu le sien hier soir, c'est déjà assez critique, donc on va pas perdre. Référence évidemment au dernier pay-per-view de la WWE qui Exactement. était donc l'horreur show Extreme Rules, la ville où justement les stipulations et les règles deviennent extrêmes évidemment. Et ça deviendra aussi extrêmement tendu le 27 septembre, peut-être. Peut-être également. Première question du WWE Report, c'est une belle question émotion, c'est pour tous les fans qui te supportent. Mais je pense que tous les fans, tous les Psycho Family aimeraient savoir quand est-ce et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de devenir le Psycho Kid? Ben ça a commencé il y a très très longtemps. J'étais tout petit, justement. Je crois que j'étais encore à l'école primaire à l'époque. En fait, je regardais le catch avec mon frère le soir sur RTL9. C'était Puissance 4 à l'époque. Exact. Et je regardais du coup le catch avec mon frère le soir jusqu'à très tard. Normalement, je devrais être au lit depuis très longtemps, mais je le faisais en cachette. Du coup, j'avais mon frère qui me soutenait et qui me. On va dire qui me sauvait un peu les arrières du litterne de ma mère. Et donc du coup ouais pour le coup j'ai regardé pour la première fois en fait un match d'Eddie Guerrero et on va dire que ça a été pour moi une révélation en fait c'est ce côté showman ce côté je sais pas, ça a été une sorte d'évidence en fait, le truc de faire lever la foule comme ça avec juste un mouvement de bras, avec une catchphrase, avec même une gimmick comme ça un peu, comment dire. En fait, Eddie Guerrero, voilà, Orthodoxe un peu. on adorait le détester en fait. C'est ça Ouais, c'est qui une était gimmick un incroyable. peu orthodoxe, un peu révolutionnaire à l'époque. Ouais. Et qu'il était face en faisant des moves de heel, en fait. Et c'est ça qui était dingue, c'est que même en faisant toutes les crasses du monde sur le ring, ben, il restait quand même face. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Et même en étant heel, il était, en termes techniques, en termes ad-fly, en termes promo, en termes showman, enfin, je peux rien lui, il y a aucune qualité, enfin, il n'y a aucun défaut que je pourrais lui nommer, quoi. À mes yeux, en tout cas. Ah, c'est un Hall of Donc voilà, Famer, on se ça a souvient été. tous. On se Ça a été souvient Eddie tous. Guerrero pour moi, Est-ce c'était une que grosse si je t'interromps? révélation. On pourrait Oui, tous pas de souci. évidemment ne rien dire sur Eddie Guerrero, c'est une légende du catch. Moi, évidemment, comme j'ai dit, ça fait 14 ans désormais que je regarde le catch. Et dès que j'ai découvert Eddie Guerrero, j'ai tout de suite kiffé parce que le mec, il a. En fait, il a, comme on dit, il a. Je sais pas. Il a un talent pour te faire kiffer le catch, même des gens en fait qui n'ont pas forcément en fait envie de regarder le catch et qui tombent sur lui à la télé, obligés ils le regardent parce que il est tellement divertissant. En plus le mec il triche alors que il y a pas beaucoup de catcheurs qui trichent comme lui. Enfin, le mec est bon, il est trop bon. Et d'ailleurs on regrette évidemment qu'il soit mort. Je pense que tout le monde est dans le même cas que nous. Mais Ah, voilà. clairement, clairement, clairement. Et voilà l'hommage que j'ai trouvé du coup pour l'honorer un maximum et le remercier justement de m'avoir donné cette petite étincelle pour le catch, etc. Je l'honore avec le beau frog splash que je puisse sortir sur le ring. Et puis voilà. Et ben on donne une vraie dédicace à Eddie Guerrero de Clairement. Latino Heat. Oh yeah! Clairement. Kevin, qu'est-ce que tu veux dire du coup? Donc, si on comprend bien, tu as plutôt un style un peu high flying, lucha libre,
Exactement ça, ouais. C'est ça. C'est Ok. ça. J'étais vraiment D'ailleurs. inspiré de Eddie Guerrero, du monde mexicain, et c'est vrai C'est ça. qu'on a pas mal aujourd'hui Lucha Libre en France, et c'est vraiment, ça apporte du nouveau, vraiment, d'avoir du cash international en France. C'est quelque chose qui commence à se développer en France, et c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc non, en parallèle de ça, justement, vous parlez de la lucha libre, j'ai pu justement participer à un show à Pérol, juste à côté de Montpellier. C'était la 3CX, la Catch Connection, qui l'organisait. Justement, c'était le Lucha Fest. Et ça a été ben, l'une de mes seules représentations où j'ai honoré le catch mexicain en portant un masque. D'ailleurs, le match est sur YouTube si vous voulez aller le checker. On ira le checker, J'ai affronté évidemment. Antonio Adamo ce jour-là. Ça a été un match compliqué, ça a été un match difficile, et franchement, enfin voilà, dans le catch français, on a d'énormes catcheurs avec un potentiel de dingue, et je pense que ben, pour l'instant, je suis en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle, et ça va être compliqué de gravir les échelons, mais qui sait, avec un peu de travail et avec beaucoup de travail, avec un peu de travail, non, avec beaucoup de travail, ça peut le faire, ça peut le faire. Bah oui, comme dirait Mike Mizwin, alias The Miz, il n'y a que le travail qui paye. C'est ça. D'ailleurs, Clairement. les amis, petite exclue, comme ça, j'aime bien faire des exclus. Bon, c'est le but du report. Après, ça dépend quel exclu, mais vas-y, dis. Petite exclue, samedi, William Walsh et son partenaire Antonio Adamo seront présents. Pas de report. Ah. Peut-être. Alors, on peut voir avec eux, on s'est négocié, mais Il m'a dit pas samedi, je vais en parler avec William là. Il m'a dit samedi. Ah, Bon, donc ça semble être officiel du coup. Ben et du ça, coup, c'est une bonne nouvelle. C'est une c'est bonne une nouvelle. très bonne nouvelle. Donc les amis, vous avez comme quoi il se passe vraiment des trucs vraiment incroyables en direct. Donc dans le WWE Report, voilà, je perds mes mots tellement que je suis content. Du coup, on aura l'interview exclusive d'une équipe, mais pas n'importe quelle équipe, les Hellhounds, les chiens de l'enfer, autrement dit Antonio Adamo et William Wolf. Mais en attendant samedi, on est avec le Psycho Kid, on va continuer avec toi évidemment. Et d'ailleurs, petit aparté, vu qu'il parle de lucha libre, monsieur Psycho Kid, Mister. normalement, Mister Psycho Kid, pardon, normalement, si tout va bien, dans maintenant 13 jours, donc pas dimanche, mais l'autre dimanche, nous aurons Nitro Poiré en Ah. interview. C'est là, il vous lâche des exclus, le mec. Il est chaud sur les exclus ce soir. Nitro, notre maestro sera présent, évidemment, évidemment. Ça fait partie des gros noms qu'on vous réserve. On ne va pas tout vous dire parce que sinon ça perd justement en importance si on vous dit tout à l'avance. Excellent, que du lourd qui arrive Ah, là. franchement, les amis, quand on vous dit qu'on vous prépare du lourd, c'est pas pour rien. Ah, vous allez être gâté. Vous allez être gâté. C'est clair. On va vous poser donc du coup une deuxième question, monsieur. Alors, quand tu as commencé l'entraînement, quand tu as fait tes premiers débuts officiels, c'était quand? C'est-à-dire les premiers débuts officiels. C'est-à-dire, Tout ben, premier tes match. tout premiers matchs. Ah, les premiers matchs, pas les premiers entraînements. Ok. Les Alors, deux? pour mes premiers matchs, du coup, j'ai fait quelques matchs donc dans des petits événements, donc à l'époque à la BC Catch. Ok. Et on va dire que le vrai premier gros événement dans lequel j'ai pu participer, ben, ça a été à la HPW, du coup, lors du premier show. C'était Hero Rumble, du coup. Et c'est vrai que ben, ça a été fort en émotion pour moi, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que je découvrais, en fait, quelque chose de fort et nouveau. Et pour le coup, ouais, j'ai eu ben, un bon retour sur mon match de la part des officiels de l'HPW, de la part
de la part des personnes autour de moi. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie justement de continuer sur cette lancée. Et j'ai affronté d'ailleurs un match, c'était pour mon premier match, on va dire, officiel, ça a été un match assez compliqué parce que j'ai affronté Antonio Adamo et Tony King Tribaldo. Ah ouais, quand même. Donc j'ai été gâté. Sur mon premier match, j'ai été gâté. Ouais. Ça a été compliqué, de lourdes chutes, de lourdes prises. Bon, j'ai pas démérité sur le show. J'ai essayé de montrer ce que je valais aussi et que c'était pas dans la taille et dans le muscle que ça se comptait, mais aussi peut-être dans la vitesse et dans la ruse. Mais bon, ça a pas suffi malheureusement. J'ai perdu le match, on va dire, de manière assez agressive. un joli coup de coude qui m'a mis KO de la part d'Antonio Adamo à l'arrière de la tête, et c'était terminé. Aïe. Ah ouais. Et derrière, pareil, Antonio Adamo qui m'élimine au Rumble à la fin du show. Ça a été une dure soirée pour moi. Mais ouais, j'ai envie de dire que c'est avec ce genre de soirée, je dirais même avec ce genre de fin, qu'on se remet sur ses deux jambes et qu'on a envie forcément d'aller plus loin, quoi. Avec de la persévérance, c'est vrai que pour le coup, on arrive à relever la tête et à donner de plus en plus sur les autres shows, et donner de plus en plus aussi au public. C'est parce que c'est pour eux justement qu'on est là. Exact. Ouais, tout ce qu'on fait sur le ring, de toute manière, c'est pour une et unique personne, c'est pour le public. Qu'ils soient chez eux, ou sur leur canapé, exactement, ou sur leur lit, ou même en face de vous pendant le public, exactement, c'est pour eux. C'est ça. Donc voilà, après, Antonio Adamo, du coup, j'ai pu le réaffronter derrière, donc au Lucha Fest, justement, dans lequel je suis sorti victorieux. Ah, comme quoi, voilà, te faire battre, t'as pu te relever, quoi. T'as pu te relever sur tes deux pieds, et comme tu l'as dit toi-même, une fois qu'on te met à terre, ben, tu te relèves toujours. Toujours. Il faut toujours se relever des échecs pour les essuyer, et derrière, ben, essayer de rectifier le coche et puis d'aller de l'avant. Et après, ça finit toujours par payer. Mais après, c'est vrai que Antonio Adamo est une personne avec des qualités physiques exceptionnelles, même au niveau catch, il est incroyable. William Wolf, c'est pareil, son partenaire par équipe, les Hellhounds. Donc je pense que c'est une équipe qui va aller très loin, et que ce soit en solo ou en équipe, je pense qu'ils vont marquer les esprits pour longtemps. C'est certain. J'imagine bien. Kevin, as-tu une question pour lui ou pas? Alors, du coup, quand est-ce que tu as fait tes premiers entraînements? Alors, mes premiers entraînements, je ne pourrais pas vous dire la date exacte parce que ça fait tellement, tellement longtemps, et bon, je ne l'ai pas marqué sur un morceau de papier. Mais non, c'était, comme je vous dis, il y a 10 ans de... Ouais, il y a un peu plus de 10 ans de ça. Ah ouais, j'étais un tout petit... J'étais un tout petit garçon qui avait des étoiles plein les yeux, qui voulait faire tout et n'importe quoi sur le ring. Et du coup, j'ai été pris sous mon aile, j'ai été pris sous l'aile par monsieur Tony King Tribaldo. Et d'ailleurs, Aaron Kaido aussi, pour la petite histoire. Et c'est eux qui m'ont quasiment tout appris, qui m'ont tout enseigné, qui m'ont suivi donc tout au long de ces années, et qui m'ont apporté ce que je peux mettre en pratique aujourd'hui sur le ring, quoi. Et c'est pour ça, vous voyez, genre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'autant plus déchirant par rapport à cette histoire-là de la tournure que ça a pris avec Aaron Kaido, quoi. C'est beaucoup d'amour qui s'est transformé en beaucoup de haine, en fait. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, je peux pas porter d'explication, enfin... J'ai pas eu tant d'explications sur ce retournement de situation, mais c'est pas grave, on va faire de l'avant, on va donner de l'avant, et puis s'il veut la guerre, ben il va l'avoir, et je sais que ça va être compliqué encore une fois, parce que comme je vous l'ai répété, je connais son style de catch, je connais ses qualités physiques aussi, et pareil, elles sont de plus en plus exceptionnelles, et j'ai l'impression que sa transformation fait que le pousser vers le bas, mais on va dire
le bas du film. Je sais pas si vous voulez. Il gagne de la puissance, en fait, et en méchanceté. Il est là, le truc. C'est que ça, plus ça va, plus il devient agressif, plus je le sens au cours des shows, en fait. Un vrai animal, quoi. C'est ça, en fait. Plus le temps passe et plus il se déchaîne et plus c'est une personne que je connais de moins en moins, en fait. C'est ça, le truc. Ah, c'est... Ouais, c'est ça, le truc. En fait, okay. C'est comme ça. J'ai envie de dire, quels sont tes buts en tant que catcheur professionnel? Mais mes buts en tant que catcheur professionnel, là, pour l'instant, du coup, ça serait de faire parler de moi, du coup, dans des fédérations françaises. N'importe laquelle, tant que le promoteur, du coup, est d'accord. Est intéressé pour moi, enfin, par ma gimmick, ça serait un réel plaisir, en tout cas, de catcher ailleurs et découvrir de nouvelles fédérations, faire de nouvelles connaissances. Et puis voilà, être le plus professionnel possible sur le ring. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon but numéro un, divertir un maximum la foule. Et puis voilà. Et ben, c'est déjà très, très bien. C'est déjà très, très voilà, bien. Je suis pas très gourmand pour l'instant. Et voilà, je reste sur la réserve mais ça ne saurait tarder. Je compte de toute manière faire des stages un petit peu partout, de manière à avoir de nouveaux horizons, me perfectionner aussi en tant que catcheur, et puis donner le maximum de moi pour ensuite peut-être taper dans l'œil de promoteur. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ton palmarès? Si. Alors, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que, si, par exemple, je sais que Tom l'a offert en séminaire, on me dit, je sais pas si c'est pour venir à la poser. Et sinon, la question, ça concerne Aigle Blanc. Est-ce que tu rêverais un jour de l'enfanter? Ah, Aigle Blanc, c'est un catcheur qui a surpris tout le monde du catch français. Et ça a été un espoir dans la lucha libre, comme Senza Volto, comme tous ces catcheurs qui ont un talent de dingue niveau headfly. Et il a su se démarquer, il a su montrer des qualités exceptionnelles sur le ring, de partout, et pour le coup c'est amplement mérité, et je lui souhaite tout le meilleur à l'avenir. Et je pense que pareil, il y a une longue carrière qui se dessine devant ces catcheurs là, Senza Volto, Trista Archer, enfin des gros noms qui n'attendent qu'une chose, c'est de percer, je pense, sur des très très grandes fédérations. D'ailleurs, Trista Archer qui a pu faire ses débuts au Cruiserweight, ça a été une fierté pour nous catcheurs français, et pour le public aussi. Pareil pour Tom Larufa, pareil pour tous ces catcheurs. Donc il y a de l'espoir pour le coup, et je pense qu'on est bien servi niveau talent en France. C'est vrai, il y a Amal également qui a été à NXT UK. Il y a Amal, clairement Amal. Exactement, exact. Du coup, t'as un palmarès en liste, t'as quelque chose? Pas encore de palmarès pour le coup. Peut-être à l'HPW, qui sait. Qui sait? Qui sait, moi, je... Qui sait? À l'HPW, qui sait. Qui sait? À suivre dans les prochains mois. Peut-être que les dirigeants me porteront apte à combattre pour un titre. Donc, du coup, le prochain show, c'est le 27 septembre, les amis, c'est à Montady. C'est Clash des Héros, je crois que tu as dit. C'est ça, Clash des Héros. Ben, en tout cas, franchement, je pense que vous devez aller à la billetterie, pardon, et vraiment bombarder la billetterie. Vraiment, allez-y, Montady. C'est vraiment pas cher. En plus, je crois que c'est 5 euros le billet ou 5-10 euros. 5 euros l'entrée, c'est ça. Et gratuit pour les moins de 10 ans, du coup, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est 2 heures et demie de pur show, et puis vous avez une bande de catcheurs derrière qui sont prêts à vous divertir, qui sont à fond, déterminés, motivés. Amis, vous avez le nom du show, vous avez le prix des places, vous avez la billetterie qui est ouverte. Bref, les amis, allez-y à fond. Dès que ça sort, dès que l'info sort, dès que le show est officiel, allez-y.
C'est gentil, merci beaucoup. Il n'y a pas de T'es problème. sûr? N'hésitez pas, faut soutenir au maximum le catch français parce que vraiment, c'était des moments difficiles qu'on a vécu avec le C'est Covid-19. ça, le Covid-19, le confinement, les speaking out. On a subi. Et la preuve qu'il faut avoir de l'espoir dans le catch français aujourd'hui parce que on s'est relevé du Covid, même si ce n'est pas encore terminé. On s'est relevé justement de toutes les petites crises, de toutes les petites choses qu'on a eues ces derniers temps. Et évidemment, on est en train de se relever du speaking out, comme quoi le catch français est solide. Et si vous l'emmenez plus loin, eh ben vous croyez-moi, on peut faire des trucs de fou. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, se tomber pour mieux se relever et après ça vient tout seul, ça vient tout seul. Surtout, il a pas répondu à ma question. Dis-moi, pardon. Est-ce que tu aimerais affronter avec le blanc? Ah, clairement, 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 Je clairement, crois ça. que l'Ange Bleu est en train de forcer pour que notre ami vienne à l'APC affronter Aigle Blanc, celui qui réalise les meilleurs moments de l'APC, justement. Bah écoutez, ça serait premièrement un honneur d'affronter un catcheur de cette envergure déjà, parce qu'il a pris beaucoup de place dans le circuit français, d'ailleurs, qui lui revient clairement de droit. Et pour le coup, ouais, à l'APC, il y a pas mal de talents du coup qui méritent aussi d'aller loin. Et comme dans plein de fédérations d'ailleurs en France, que ce soit la FFCP, que ce soit à l'APC, que ce soit la Catch Connection, la TPW, n'importe où, pour le coup, il y a pas mal de level, et je pense que le catch français, n'a pas dit son dernier mot sur la scène internationale. Et du coup, pour le séminaire, t'as pas répondu, mais je pense que tu peux pas venir. Pardon? Il Pour t'a le demandé séminaire. du coup pour le séminaire avec Tom Larufa qui est cette semaine-là, samedi justement. Est-ce que tu Yes. penses que tu pourras venir au séminaire avec Tom Larufa? Ton dédicace à lui Alors, d'ailleurs, moi, TLR. D'ailleurs, elle est alors, sur sa chaîne ouais, YouTube. grave. Grosse dédicace à Tom Larufa, du coup, qui est un type génial que j'ai pu croiser. Quelques fois du coup à la PC. Ouais, là pour la semaine prochaine du coup, j'ai une petite opération à l'épaule Aïe! pour qui est Aïe, prévue aïe, pour mercredi. J'aurais dû normalement me faire opérer il y a déjà un mois de ça, mais travail oblige, j'étais en déplacement toute la semaine dernière. Donc du coup cette semaine voilà, je la prends pour ma santé et je me fais opérer du coup d'un petit problème à l'épaule qui traîne un petit peu et pour être bah, vaut repayé mieux que le tu te mercredi. soignes, que tu viennes et que tu C'est te ça. reblesses encore plus fort, ça serait bête de devoir C'est arrêter ça. ta carrière en si bon chemin. Non, après rien de bien grave, c'est simplement un petit kyste mal placé au niveau de l'épaule, mais c'est quand même il faut quand même le retirer parce que ça pourrait venir assez gênant. Mais bon, c'est rien de bien grave. Rien de bien On grave. espère, on espère. Kevin, tu as une Ouais. question importante à lui poser? Est-ce que tu as déjà catché à l'international autre que dans les Donc fédérations Suisse, françaises? Mexique, Allemagne, j'en passe et des meilleurs. Alors, j'ai pu côtoyer du coup et donc catcher après, ça a été un peu plus compliqué, mais côtoyer en tout cas des catcheurs internationaux de la SPW, la Swiss Pro Wrestling. Ok. Qui d'ailleurs, gros big up à eux, ça fait un petit moment que je les ai pas vus et que j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner et de me remettre sur le ring avec eux. Puis il y a eu du coup à l'ABC quelques catcheurs espagnols avec qui je m'entendais pas mal bien et avec qui du coup j'ai pu m'entraîner voilà pendant quelques stages, etc. Donc voilà. Ok, du coup, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, du coup, si vous voulez voir Psycho Kid, prochaine date, les amis, je sais qu'en ce moment, on est en train de finir cette période, cette phase numéro 3, il me semble, du confinement. Donc, vous savez, donc on est en train de passer à la phase finale. On est en train d'essayer d'oublier, en fait, toute cette mauvaise période du Covid-19. Donc, normalement, si tout va bien et que le Covid-19 ne nous remet pas en quarantaine à la maison,
Normalement, rendez-vous le 27 septembre prochain à Montady pour le show Le Clash des Héros. Et normalement, si tout va bien et que les officiels de la HPW sont d'accord pour officialiser ce match au Clash des Héros, justement, ça sera Psycho Kid qui aura un match contre Iron Kaido. Yes, on attend ça. Même moi, j'attends ça avec impatience maintenant, ça y On attend tous le match. Je pense qu'on attend tous le match. Donc du coup, comme on a dit, voilà, t'as un très bon palmarès quand même. Tu catches un peu plus de 10 ans. Yes. Donc je pense que avec un tel niveau, aujourd'hui, je pense que même si tu vises pas forcément grand-chose, je pense qu'à l'intérieur de toi, quand même, si on te propose évidemment quelques contrats à l'international, ça ne te dérangera pas de montrer Ah, ton clairement talent pas. à Clairement l'international. pas. Je donnerai mon maximum. Mon Donc voilà. maximum. Donc voilà, franchement, évidemment, les liens seront dans la description pour contacter notre ami Psycho Kid, pour son Facebook, son Insta, tout ce que vous voulez. Et évidemment, la page Facebook de la Hero Pro Wrestling, évidemment, qui sera aussi dans la description, pour ceux qui veulent évidemment regarder ce qu'il y aura pour le Clash des Héros, les informations, comment ça se passe, le prix des places, etc. Yes, mais c'est gentil en tout cas Je de pense que faire je la vais y promo aller. du show et j'espère vous voir nombreux en tout cas à Montady, du beau spectacle et surtout un bon moment à passer avec vous après cette dure crise qu'on a tous passée. Ça vous fera du bien de voir deux trois catcheurs se mettre sur la bouche, manière de vous détendre un petit peu C'est clair. et donner de l'opportunité comme ça à des catcheurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se présenter et puis aussi de pouvoir mettre en lumière quelques rivalités. Justement, vous avez pu donner l'occasion à Aaron Kaido de donner son ressenti. Je lui ai répondu, donc c'est un mal pour un bien et on verra bien ce que ça donnera au prochain show. J'espère vous voir en tout cas nombreux et j'espère voir la team WWE Report présent sur le show. En tout cas, ça sera Eh avec un ben nous, réel si plaisir. tu nous invites à venir, nous on est là. Pas de souci les gars, je vous invite tous les trois à venir au show, c'est pour moi, il y a aucun problème, il y a aucun souci. Ben ça marche, Pas de nous problème. ben on sera présents du coup pour assister à ce show. Comme vous, évidemment, on attend très très fort de ce show parce que, à part notre fédération de cœur, c'est-à-dire évidemment l'APC qu'on ne quittera pas. Comme ça, évidemment, on va pas faire de choses comme ça. On n'est pas comme ça, hein. On n'est pas comme ça en France, hein. On n'est pas à quitter les entreprises comme ça pour aller ailleurs. Mais Non, mais je les vois ça nous fait quand bien. même du bien de soutenir le catch français. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Et justement, un gros big up à l'équipe APC. Je sais qu'il y a un gros level là-bas. Il y a eu un séminaire il n'y a pas si longtemps avec Volto, avec Senza Volto et Christian Young. J'aurais bien aimé y participer, mais travail oblige, Malheureusement. malheureusement. Donc, pour le coup, c'était dommage pour ma part, mais il y en aura d'autres et je serai présent avec grand plaisir sur les prochains. Il n'y a Ça pas de marche. souci. Ben, big up à Un l'équipe gros big up à vous en tout APC, cas. big up à Yes. l'HPW, big up à toutes les fédérations françaises et Yes. évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.